Bonsoir à tous, vous êtes sur la chaîne, toujours proche des populations. Bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce dimanche 26 novembre 2023. Le dossier de la rédaction de RTI2 s'intéresse ce soir aux réalités vécues par les personnes en situation de handicap dans la société. Comment sont-elles perçues? Nos reporters ont rencontré des spécialistes de santé, des religieux et les concernés eux-mêmes pour répondre à cette question. Toujours à la une, scène de crime horrible dans la commune de Yopougon à Abidjan. Une dame et sa sœur aînée ont été assassinées. L'acte ignoble aurait été commis par un adolescent. À l'international, la Sierra Leone décrète un couvre-feu après l'attaque avortée d'une armurerie et des affrontements armés dans la capitale. Merci pour votre fidélité. Place au dossier de la rédaction. Chaque 9 octobre de l'année, le monde entier célèbre la journée des personnes en situation de handicap. Quelles sont les réalités vécues par ces personnes dans la société? Comment les spécialistes de la santé expliquent-ils le cas des handicapés nés de parents normaux? Que pensent les religieux? Quelle est l'approche sociologique de la société vis-à-vis des personnes en situation de handicap? Réponse à toutes ces questions dans cet élément signé Yacouba Koulibaly et commenté par Assita Diarra. Sur 12 grossesses qu'a connu Mariam Danyogo, 7 sont arrivées à leur terme. Aujourd'hui, Mariam vit avec ses 7 enfants qui ont survécu. Parmi eux figurent 3 filles nées handicapées, les membres inférieurs, faute de moyens financiers. Mariam se retrouve dans cette baraque sans électricité dans la commune d'Abobo, après quelques années de vie conjugale au cimetière des Divots, au sud-ouest du pays. Pour assurer la survie quotidienne de sa famille, elle est obligée de s'adonner à la mendicité, une situation qu'elle supporte difficilement. À chaque fois que je regarde les enfants, j'ai du mal à retenir mes larmes. Nous mendions à Gamé tous les jours parce qu'il n'y a pas de soutien. Les autres enfants vivent avec mon conjoint au cimetière de Divo à cause de la pauvreté. C'est une bonne volonté qui m'a offert cette baraque. Karidiatou, fille cadette de Mariam, vit avec ses jumeaux et sa mère. Malgré son état de handicap, Karidiatou ne compte pas baisser les bras. Elle garde encore l'espoir de réaliser ses rêves. Tous les jours, ça mendie, mais à cause de la pluie, on n'est pas sorti. On n'est pas quoi préparer à manger. Si vous pouvez nous aider, ça me plaît aussi. Comme Karidiatou, ses soeurs Mawa et Mariam nourrissent des ambitions. Maman est beaucoup fatiguée derrière nous. C'est pas facile, cette situation. Je vais aller à l'école pour pouvoir réussir comme les autres enfants. J'ai 2 camarades. Elles viennent jouer avec moi à la maison. J'ai envie de devenir quelqu'un pour pouvoir aider mes parents demain. Mais quelle est l'explication médicale et scientifique du cas de ces enfants handicapés à la naissance et issus des parents sains? Des spécialistes de santé de l'Institut Pasteur de Cocody livrent des raisons. De façon génétique, c'est des personnes qui vont présenter soit des anomalies génétiques. Généralement, c'est des suspicions de consanguinité dans la famille, c'est-à-dire des mariages entre frères et sœurs ou cousins proches, qui peuvent expliquer ces situations-là. Parce qu'on a des gènes qui sont récessifs dans la famille, mais lorsque des personnes très proches de la famille vont se mettre ensemble pour faire des enfants, ça va mettre ces gènes-là en avant et vont développer ou bien vont présenter ces anomalies-là. Pour les enfants qui sont nés avec une anomalie donc, qui s'est manifestée déjà dès la naissance, ça nous situe dans le contexte des maladies congénitales. Il peut y avoir plusieurs origines, plusieurs étiologies. Il peut s'agir donc d'une origine toxique, une origine infectieuse, mais il peut s'agir aussi de maladies congénitales génétiques. Les parents peuvent ne pas avoir de manifestation de la maladie et un enfant ou plusieurs enfants vont avoir donc une maladie donnée. L'intérêt ici, c'est de diagnostiquer, dépister déjà à la naissance la présence de la maladie. En plus des explications scientifiques et médicales, des religieux font part de quelques causes spirituelles à l'origine de ces cas de figure. Il y a une explication spirituelle, qu'on peut dire ici malédiction. Voilà l'un des secrets de l'islam. Quand
tu es bien physiquement, ceux qui sont malades là, il ne faut pas te moquer de eux. Il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas les frapper parce que tu es fort. Sinon, si quelqu'un te maudit dans cette situation-là, ça peut t'attraper, tes petits-enfants. Il peut y avoir une cause de Dieu que nous ne connaissons pas. Nous demandons à tout le monde d'être bien avec tout le monde. Parler doucement avec tout le monde. Qu'il est musulman, qu'il n'est pas musulman. Voisinage, il faut être attention à tout moment. L'esprit, tu ne vois pas, mais tu dois savoir d'où ça vient. Quand nous prions, la source peut être révélée. Et tu peux aller trouver cette famille pour leur dire que vous avez un problème génétique. Ça peut venir de la femme ou de l'homme. Mais pour cela, il faut que Dieu te fasse grâce. Les parents peuvent faire des pactes. Et dans ces pactes-là, ils peuvent ne pas respecter certaines conditions. Et ils peuvent leur, en retour, en représailles, leur naître des enfants de cette nature-là. Toujours dans la commune d'Abobo, dans une autre famille, à la différence des sœurs Koné, Baba Traoré, âgée de 19 ans, a perdu l'usage de ses membres inférieurs à la suite d'une maladie contractée alors qu'il était plus jeune. Issu des parents disposant de revenus modestes, il aspire à entreprendre une activité génératrice de revenus. Je veux qu'on puisse m'aider pour que j'aie le magasin pour pouvoir réparer le téléphone. Et l'année là, elle fait 4 fois. Elle a marché, mais dans 2 ans, elle a tombé malade là. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne marche pas. J'ai fait beaucoup, j'ai envoyé à l'hôpital, on fait. Donc maintenant, il n'y a rien, il n'y a pas l'argent. Je vais, même si elle ne sait pas marcher toujours là, mais elle m'a déboulé elle-même, c'est bon. Nous restons dans la commune d'Abobo, cette fois au quartier Sagoué derrière Rail. Issa Koulibaly qui a perdu l'usage d'un membre inférieur du fait de la poliomyélite, n'a pas voulu s'apitoyer sur son sort. Après avoir appris à fabriquer des objets de décoration à Korogo, dans le nord du pays, il a réussi à mettre sur pied, à Abobo, une menuiserie moderne avec le soutien de 2 partenaires. Cette activité le met à l'abri de toute stigmatisation. Tous nos clients, c'est par WhatsApp, la majorité. Il y a des clients, tu vas faire plusieurs livraisons, ils ne te connaissent même pas. Mais le jour où il a rendez-vous avec toi, tu viens taper à la porte, on ne pense même pas que c'est toi, quoi. Donc il est surpris déjà d'abord pour voir qui a fait le meuble. Et il te pose la question. Puis bon, ça me donne plus de chance parce que souvent, ces gens-là m'encouragent plus, quoi. Rien n'est facile, au fait. Pour les autres, si c'est dur, pour nous, c'est double. Ouais, dans notre situation, il faut fournir plus d'efforts pour pouvoir avoir. Mais le mérite, c'est le respect au bout, quoi, qui nous amène peut-être à se lever chaque matin pour venir chercher quelque chose, pour ne pas tendre la main. Et grâce à Dieu, il y a des gens qui nous font confiance. Quel est le regard de la société sur ces personnes en situation de handicap? Quelle attitude adopter à leur égard? Ce sociologue donne des réponses. La société doit comprendre que l'homme était handicapé en sursis. Le handicap, on peut le porter dès la naissance, comme on peut acquérir ça au cours de la vie. L'imaginaire populaire doit être corrigé, doit être informé, doit être formé pour prendre en compte le handicapé dans la société. Parce qu'il est important, c'est un élément de la société. Il y a des ONG qui en font une préoccupation majeure. Cette solidarité-là doit permettre à terre les foyers de moquerie, les foyers de tension, les foyers de fuite de ces hommes porteurs de handicap. À l'instar de Karidjatou, Mawa, Mariam, Baba et Issa, les personnes en situation de handicap sont parfois victimes de marginalisation. Selon les sociologues, un changement de mentalité contribuerait à faciliter leur intégration dans le tissu social. Selon le recensement général de la population et de l'habitat des Côtes d'Ivoire, en 2014, le pays comptait déjà 453 453 personnes en situation de handicap. De nos jours, le handicap ne doit plus se conjuguer avec exclusion sociale. Notons toutefois que le regard de la société concernant les personnes en situation de handicap a beaucoup changé, même s'il reste encore du chemin à faire. Intéressons-nous à présent à ce crime horrible dans la commune de Yopougon. Un adolescent aurait assassiné sa belle-mère et sa tante dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 novembre 2023. Le crime a eu lieu dans un immeuble situé au carrefour Lubafrique. Le témoignage d'Abdoulaziz Guira est commenté par Maïssa Kogaï.
Il y avait la joie de vivre ici, quoi. Cette joie de vivre qu'avaient les habitants de cet immeuble a laissé place à la peur et à l'inquiétude. Situé dans la commune de Yopougon, au carrefour Lubafrique, ce lieu d'habitation a été le théâtre d'un crime odieux. Dans la nuit du vendredi au samedi 25 novembre, peu après 2 heures du matin, deux habitantes du deuxième étage ont été assassinées à leur domicile. Il s'agit de Djogoko Martin, agent des douanes, et de sa sœur aînée, Dewin Bertine, toutes deux la cinquantaine révolue. Le forfait aurait été commis par un adolescent de 17 ans, fils du défunt mari de Martine. On a entendu des cris, je ne sais pas c'était quoi en fait, plus que les voisins ne sont pas sortis. Donc nous autres sont en bas, il ne faut pas venir intervenir comme ça. On voit la police, ici le sud, sont dans le bâtiment. Bon, c'est cela que nous, on s'est réveillés. En fait, ça m'a dépassé au fait. Donc, j'arrive pas à comprendre. Mais j'ai dit que bon, comme il y a feu, bon, c'est après, maintenant, ils ont dit qu'ils ont engorgé. Mais c'est renseigné. Bon, donc, ils ont engorgé au fait deux personnes à la fois. Il y a deux heures, trois heures. Ça s'est appris qu'ils ont tué deux vieux mères en roulant avant. À 6 heures, 7 heures, les policiers ont envoyé photo du petit et les deux vieux mères qui sont mortes là, à manger mon roi. Non, c'est comme cela, il a vu la photo. Le samedi matin, quand je me suis réveillée, je suis descendue au deuxième, j'ai vu du sang jusqu'en bas. Donc, ça m'a franchement bouleversée, étonnée même. Je ne sais pas ce qui se passait franchement. Depuis, dans l'immeuble, difficile pour les voisins des victimes d'oublier cette nuit cauchemardesque. En tout cas, on était terrorisés. On n'a même pas pu fermer l'œil depuis l'information hier nuit, mais on n'a pas pu fermer l'œil. Jusqu'à présent, on vit le deuil, quoi. La scène du crime est fermée pour enquête judiciaire. Le présumé coupable est, lui, toujours en fuite. Parlons éducation maintenant. Pour garantir aux élèves un avenir radieux, l'association d'entraide Virgin's Club a procédé au lancement officiel d'une campagne de sensibilisation contre les grossesses et la délinquance en milieu scolaire le jeudi 23 novembre dernier au lycée professionnel de Cocody. Les détails avec Yakuba Koulibaly et Maïssa Kogaï. Aude, étudiante en deuxième année d'hôtellerie, accompagnée de Mariam, élève en transport logistique dans un lycée de la place, aspire à une réussite sociale après un cursus scolaire sans grossesse. Pouvoir réussir dans la vie, je compte m'abstenir jusqu'au mariage pour que mes parents soient fiers de moi. Pour garantir aux élèves un avenir radieux, l'association d'entraide Virgin's Club a procédé au lancement officiel d'une campagne de sensibilisation contre les grossesses et la délinquance en milieu scolaire. Objectif, prévenir les cas d'échecs scolaires et sociaux à travers l'option de l'abstinence jusqu'au mariage. La jeunesse est vraiment, n'est-ce pas, en dérive. Dérive parce que, bien évidemment, on enregistre, n'est-ce pas, un nombre assez galopant, n'est-ce pas, de grossesses en milieu scolaire. Et cela, effectivement, est alarmant. Il est question donc de les aider, bien évidemment, à pouvoir sortir, n'est-ce pas, de ces maux, de ces fléaux, n'est-ce pas, qui les minent. À l'instar, bien évidemment, de la sexualité précoce, la grossesse précoce, bien évidemment, de l'usage, n'est-ce pas, de la drogue. Un projet soutenu par la direction de la vie scolaire. Nous avons pour objectif de pouvoir aider nos apprenants à faire de bons parcours scolaires. Et c'est pourquoi nous accompagnons ce club des vierges pour mener le combat contre la déscolarisation, les grossesses en milieu scolaire et tout ce qu'il y a comme MST en milieu scolaire. Selon les responsables de l'association Virgin's Club, les phénomènes des infections sexuellement transmissibles IST, du VIH, de la déscolarisation et des grossesses en milieu scolaire sont les résultantes de mauvaises fréquentations et de la négligence de certaines valeurs devant être inculquées à l'adolescence. Poursuivons ce journal avec une cérémonie de distinction. Le rideau vient de tomber sur la troisième édition de la nuit de l'Ivoirien Nouveau, un concept pour promouvoir les valeurs d'excellence, de probité et de résilience. Au cours de cette soirée, des monteurs et cadreurs ont été honorés. Gilles Tonien de RTI 2 et Zia Polinaire de RTI 1 ont reçu le super prix. Reportage Nous Sangaré. Ils se sont illustrés par la qualité de leur travail au cours de l'année 2023 dans le secteur des médias. Gilles Tonien et Zié Apollinaire ont reçu respectivement le super prix du meilleur caméraman et du meilleur monteur à la cérémonie de distinction de l'Ivoirien Nouveau. Je voudrais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu qui peut prendre quelqu'un de la boue pour l'établir à la table des rois. Et je voudrais par la même occasion remercier le directeur général de la RTI qui a fait de la rédaction de la RTI une chaîne de proximité qui met l'accent sur les informels
les dossiers. C'est à travers ces reportages-là que nous arrivons, nous techniciens, à nous exprimer. Plus de 25 ans, je suis dans ce métier. Et je pense que ce qui est arrivé aujourd'hui, là, c'est le couronnement de tout ce que j'ai fait dans cette télé-là. Vraiment, aujourd'hui, Dieu a permis que je sois élevé. Et j'ai dit merci à Dieu. À côté de ces grands prix, deux prix sectoriels ont été décernés. Seydou Ouattara, monteur à RTI 2, a reçu le prix sectoriel du meilleur choix des plans, tandis que Mathurin Badet, caméraman à NCI, a lui décroché le prix sectoriel de la meilleure capture vidéo. En télévision, toute vidéo est collective. Il n'y a pas une seule personne qui travaille. Ce travail-là, j'ai eu le prix des plus belles captures, des plus beaux plans en fait. Et ces plus beaux plans ont été sélectionnés par un monteur. Et le monteur, ces images ont eu vie et sens grâce au test du journaliste également. Voilà, donc c'est un travail d'ensemble. C'est le couronnement d'un travail acharné. Et vraiment, je suis très heureux, très très heureux. Encore merci à Dieu. On fera l'effort de maintenir le cap et de donner le meilleur de nous encore pour les échéances à venir. Rien n'est encore gagné. On va viser le super prix, si Dieu le veut. La distinction de l'Ivoirien nouveau, une initiative des observateurs des médias, elle vise à promouvoir le concept de l'Ivoirien nouveau. Chaque année, ce sont des Ivoiriens nouveaux qui sont primés. Les observateurs des médias et donc la fêtière qui réunit journalistes, professionnels de la communication, les observateurs de médias se donnent une année pour observer les hommes et les femmes des médias, les personnalités et les citoyens lambda qui se distinguent au cours de l'année. Cette cérémonie a également été marquée par la distinction de plusieurs personnalités dans divers secteurs d'activité, la politique, l'économie, l'éducation et la communication. 40 ans de vie professionnelle, le journalisme que j'ai appris, j'en ai fait mon métier, je l'ai aimé. Je suis parti à la retraite, ça fait 4 ans. Et aujourd'hui, mes pères me ressuscitent. Je suis heureux, très fier. Nous sommes vraiment très heureux de ce prix qui est décerné à notre maire, Madame Fatima Bamba. Nous avons hâte de le ramener dans notre commune à Niama pour en faire une belle fête et un plébiscite. La nuit de l'Ivoirien nouveau est à sa 3e édition. Elle était placée sous le patronage du Premier ministre Robert Beugré-Mambé, représenté par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Félicitations donc à nos collègues pour ces prix qui confirment une fois de plus qu'ils se sont distingués par la qualité de leur travail au cours de l'année. Parlons à présent de lutte contre la pauvreté. Pour avoir œuvré dans plusieurs domaines d'activité visant à lutter contre la pauvreté en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, des personnes ont été distinguées. Pour les initiateurs, il s'agit de les encourager, mais aussi de les former. Des précisions avec Maïssa Kogaï. Sangaré Siriki Boubacar, diplomate, est le représentant résident de l'Organisation mondiale des experts OMEX, une institution qui lutte contre la pauvreté à travers le monde. Il a été fait ce jour docteur honoris causa par une université basée en Californie, aux États-Unis. Comme Sangaré Siriki Boubacar, 7 autres personnes ont vu leurs actions récompensées dans les domaines religieux, agricole, musicale et humanitaire. Ces personnalités de terrain ont jugé satisfaisantes les formations reçues. En tout cas, je dis merci à cette école qui a cherché ceux qui ne sont pas partis à l'école. Ils sont les travailleurs en Côte d'Ivoire. On les fait sortir pour le montrer à les autres femmes, à les autres garçons, que non, c'est le travail qui paye. Nous avons posé que des actions humanitaires, sociales. S'inscrit pleinement sur l'objectif de développement durable numéro 1 des Nations Unies. Et c'est une fierté et nous allons redoubler d'efforts et d'ardeur afin de chercher à avoir d'autres distinctions honorifiques. Pour les membres de l'université américaine, il faut accompagner l'État ivoirien afin que celui-ci dispose de personnes ressources capables de l'aider dans ses efforts visant à développer le pays. Ça rentre dans le cadre du projet du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente. Et l'émergence, c'est la compétence dans tous les secteurs d'activité. Et l'aspect académique est un élément majeur, un élément, je peux dire, central. En retour,
un terrain de plus d'un hectare situé dans la commune de Bingerville a été offert par Siriki Sangaré au nom de l'Organisation mondiale des experts à l'université américaine afin qu'elle puisse bâtir une représentation à Abidjan. À l'international, la Sierra Leone a décrété un couvre-feu sur l'ensemble de son territoire après l'attaque avortée d'une armurerie et des affrontements armés dans la capitale Freetown. La CEDEAO a exprimé son soutien au gouvernement en place tandis que le ministère de l'Information a assuré que le gouvernement était maître de la situation. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI 2.